Au passage, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous diriez qu'il a réussi, entre guillemets, son retour en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des gens, même qui se sentent proches de lui, qui ont été un peu déçus de ne pas entendre plus de mots ou plus de gestes d'apaisement de sa part depuis son retour. Je vais vous poser une question, en toute honnêteté. Quand des gens lui disent, ils sont sérieux, mais moi je ne comprends pas. Mais pourquoi lui? Je veux vraiment, il faut que les Ivoiriens me regardent et ceux qui me regardent le comprennent. Que sur ce point-là, je suis intransigeant et je ne crois pas être sûr de ce intransigeant. Pourquoi voulez-vous que le président Laurent Gbagbo demande pardon à qui? Qu'il demande pardon à qui? Qu'il demande pardon parce qu'en 2000, il a pris le pouvoir et deux mois après qu'on l'ait combattu? Qu'il demande pardon parce qu'il a intégré la rébellion dans le système? Qu'il demande pardon parce qu'il a fait du président Ouattara candidat? Qu'il demande pardon parce qu'il a gagné l'élection et que les amis de M. Ouattara sont venus faire la guerre pour l'enlever? Qu'il demande pardon parce qu'on l'envoie à la CPI? Qu'il demande pardon parce que même à quitter, on a refusé qu'il vienne? Qu'il demande pardon parce qu'il n'a pas été capable d'enterrer sa maman? Mais enfin, à un moment donné, il faut savoir donner un sens, vous moque pardon.